Bonjour. Oh, c'est vous les peseurs de vitres. Et non, on est les boulangers. Non, mais c'était une blague, parce que ma mère, elle me trouve super drôle. Elle me dit souvent, tu es hilarant, Nicolas. Des fois, les gens ne rigolent pas comme vous. Je lui dis non, maman, il y a des gens qui ne me trouvent pas drôle. 99% des gens ne me trouvent pas drôle. Mais là n'est pas la question. Parce que moi, j'ai un lapin, il s'appelle Pompon. Vous ne connaissez pas Pompon, personne ne connaît Pompon. C'est normal, il est mort. Hier, il s'est fait écraser, c'est la faute à pas de chance, la faute à personne, la faute à mon père, mais on y reviendra plus tard. Ce que je voulais vous dire, moi, c'est... Est-ce que vous connaissez Marie-Joëlle ? Brave personne, elle me trouve pas drôle non plus. Mais c'est toujours pas la question. Elle m'appelle souvent, elle me dit « Tu es un tout petit breton !» Et moi, j'adore ce surnom. C'est pour moi, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve... Elle m'aime, non ? C'est comme ça. Elle m'aime. Enfin, je sais pas, je pose la question. Mais si vous voulez, je peux vous raconter une anecdote. Vous voulez une anecdote ? Je vais vous raconter une anecdote. Oh ! J'ai cru que ça ne se terminera jamais. Vous avez la chance. D'habitude, je suis obligée de le soudoyer avec des cookies pour qu'il se la ferme. Pas de chance. Je mange que de graines. Bon, c'est où qu'on pose les vitres ? Suivez-moi. Il fait nuit ? Je me sens trop bizarre. Quelque chose a changé. Je me sens super. Mais vraiment super. Avant j'étais super, maintenant je suis super super. Je suis devenu... un super héros. Mais si je te dis que je suis génial, je le sens. Et c'est grâce à cette craie. Cette craie, elle est sacrée. C'est une sacrée craie. Ferme-la et frotte. Mais la vérité, c'est que je suis... un super héros. T'es un putain de BG, mon pote. Un dieu vivant. T'es un grand malade, va te faire soigner. Tu me crois pas ? Non. Tu me crois pas ? Mais tu vas voir, tu vas expérimenter toi aussi. Aïe ! Bah ouais, tu t'avais dit. Bah je sais pas, peut-être que la craie choisit son propriétaire, moi je suis pas... Mais c'est pas un chien. Couillon. Attends, attends, t'es sûr de ce que tu fais, Georgette ? Mais oui, t'inquiète, mon cousin sait ce qu'il fait. T'entends pas les pas là ? Quoi ? Y'a quelqu'un qui arrive ? Quel ? Ça serait pas Marie-Joëlle ? Marie-Joëlle ! MJ, pour moi. Marie-Joëlle ! Marie-Joëlle ! Marie-Joëlle pour moi ! Marie-Joëlle ! Marie-Joëlle ! Marie-Joëlle ! Marie-Joëlle ! Elle est pas là, Marie-Joëlle ! Tu m'as menti ? Elle est pas là, Marie-Joëlle ! Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un pouvoir! J'ai un pouvoir et je te l'avais dit! Je te l'avais dit depuis le début! J'ai un pouvoir, je suis un super-héros! Ça va, mec? Ouais. T'es oui. Sûr? Ah. Mais attends. Si je suis un super-héros, ça veut dire que je suis aussi un super-séducteur! Je t'ai séduit là? Je te séduis là? Ça fait une différence. Bonjour, il y a quelqu'un ? J'aimerais savoir si vous me trouvez séduisant. S'il vous plaît. Excusez-moi. Par simple curiosité, ça marche des fois ? Bon, séducteur, c'est mort du coup. Aucune fille ne veut de moi, visiblement. Faudrait que je fasse un truc que tous les héros font. Mmh. Tu vois. Ouais, porter des collants.
Mais non, je te parle d'un vrai truc. Comme par exemple, sauver une grand-mère qui traverse la route. Ouais, ce que j'allais quelque dire, chose comme ouais. ça. Ce serait vraiment ouf s'il y avait une grand-mère quelque part qui n'attendrait que ça d'être sauvée. Incroyable. Madame, j'arrive vous sauver. Madame, je vais vous aider à traverser. Ne vous inquiétez pas, je vous aide à traverser. Non, madame, s'il vous plaît, je suis un super-héros, laissez-vous faire, madame. Madame. Ça suffit maintenant. Oh là là, les chaînes, c'est plus que c'était, franchement. En tout cas, t'as pas le spider sense. Non, j'ai perdu mes pouvoirs. Non.